Alors, on va faire l'exercice sur les cinq sens. Je vais vous donner différentes choses à goûter et vous allez me dire qu'est-ce que c'est et il a quel goût. Donne-moi ta main, ça va. Et tu goûtes. Sopna, donne-moi ta main. Goûte, Sopna. Yasmine, donne-moi ta main. Goûte, Yasmine et Baya. Qu'est-ce que tu as goûté, Sarah? Qu'est-ce que tu as goûté? Qu'est-ce que c'est? Sopna. Sucre. Sucre, bravo. Il a le goût sucré. Sucré, bravo. Yasmine et Baya, vous avez goûté quoi? Qu'est-ce que vous avez goûté? Je te donne encore? Oui, bravo, répète encore plus fort. Salé, t'as goûté le sel. Bravo, aide maintenant. Mets ton doigt dans ta bouche. Qu'est-ce que t'as goûté? Bravo, il a quel goût le café? Quel goût? Il a le goût amer. Répète. Amer. Azette, mets dans ta bouche directement. Soumaïa. Citron. Et toi, Soumaïa? Citron. Il a quel goût le citron? Il est acide. Bravo, Azette. Il est acide. Bravo, les enfants. On va passer à un autre sens qui est l'adorat. Qu'est-ce qu'on fait avec le nez? On s'en va dire, on s'en va. Bravo les enfants. Alors Sokuna, tu vas me dire qu'est-ce que c'est? Vinaigre. Bravo. Et toi Yasmine, qu'est-ce que c'est? Vinaigre. Ok, bravo. Est-ce que ça sent bon le vinaigre? Hein? Non. Azette. Café. T'es sûr? Non. Aide. Café. Et toi, Iliès, qu'est-ce que c'est? Café. Sarah, qu'est-ce que c'est? Henny, tu te rapproches un peu, tu avances un peu. Qu'est-ce que c'est, Henny? Vinaigre. Bravo, c'est du vinaigre. Et Maya, qu'est-ce que c'est? Du parfum. Est-ce que ça sent bon le parfum? Maya, ça sent bon le parfum? Bravo, bravo les enfants. Alors, les enfants, on a deux oreilles pour entendre. Bravo. Je vais vous faire écouter différents instruments de musique. Vous allez me dire, il s'agit de quel instrument? La batterie. D'accord. Maintenant, celui qui veut parler, il lève le doigt. Oui, Elias. Non. La guitare, bravo. Il faut bien écouter avant de parler, d'accord? Piano. Bravo, Sarah. Répète. Piano. Bravo. Accordéon. Bravo, Henny, répète. Accordéon. Bravo. Mariam, ça c'est quoi? Piano. Ça, bravo, bravo, Mariam. Soumaya? Bravo. Alors, on a deux mains pour...
Pour toucher. Donne-moi ta main, Sukhna, et tu vas me dire, il est comment le tissu? Doux. Bravo, il est doux. Et toi, Yasmine? Doux. Doux, bravo, bravo. Soumaya, donne-moi ta main. Il est comment le toucher? Il est comment? Il est mou ou dur? Dur. Bravo, bravo. Il est dur. Henny maintenant. Tiens. Rugueux. Il est rugueux. Bravo. Ilyes. Rugueux. Bravo. Maya, donne-moi ta main. C'est comment le toucher? Hein, c'est dur ou c'est doux ou c'est mou? Il est comment? C'est dur. Bravo, bravo. Sale. Tiens, qu'est-ce que c'est à ton avis? Elle est comment? Elle est dure ou mou? Mou, bravo, bravo. Et Mariam, tiens dans ta main. C'est comment le toucher? Mou. Mou, bravo, bravo les enfants. On a des yeux, mes enfants, deux yeux pour voir. D'accord. Avec nos yeux, on peut voir des formes, des couleurs, etc. On ferme tous les yeux maintenant. Et vous allez, on ferme les yeux. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. 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 On voit que le noir. Noir. On ouvre les yeux. Maintenant, on voit la lumière. On voit ce qu'il y a dans la classe. Prenez votre main et on cache l'œil. Vous allez me dire, est-ce que vous voyez la porte? Oui, oui. Oui. Et est-ce que vous voyez maintenant l'ordinateur? Non. Non. On ne voit pas l'ordinateur parce qu'il est du côté de l'œil fermé. Donc, on ne voit pas l'ordinateur. D'accord, bravo. Maintenant, je vais te donner, Ilyes, une loupe. Et tu vas me dire comment tu vois l'écriture, comment tu vois les lettres à travers la loupe. Elle est petite ou grande? D'accord, et comme ça? Grande. Bravo, elle est grande. Ok, et maintenant, Henny, je vais te donner des jumelles. Tu vas me dire, comment tu vois maîtresse? Loin. Bravo. Donc les jumelles, ça nous permet de voir les choses de loin. Bravo.